Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est une longueur d'onde et nous allons aussi voir le lien qu'il y a entre la longueur d'onde et la fréquence. Donc pour parler de ceci, on va faire un petit rappel sur les ondes sonores. Souvenez-vous, ceci, c'est une onde. C'est une onde sonore, c'est-à-dire que le, ça représente l'oscillation d'un objet ou de molécule en fonction du temps. Donc, Supposons que notre objet euh, oscille de cette manière-là. Donc, ici, on a déjà ici une oscillation. C'est le temps qu'il faut pour que notre objet fasse un minimum et un maximum, puis revienne à son état d'équilibre ici. Donc, ça, c'est une oscillation qui se fait pendant une période T en secondes. Donc, la période, c'est le temps qu'il faut pour avoir une oscillation complète. Alors, on a vu que notre objet a atteint un minimum, puis un maximum par rapport à un état d'équilibre. Donc, c'est ici une amplitude. Donc de l'état d'équilibre au minimum, et une amplitude, donc de l'état d'équilibre au maximum. Donc ici, on a bien deux amplitudes. Et pour terminer, nous avons la fréquence. Hertz, c'est l'unité de la fréquence qui se note H, HZ ici, et qui est en fait une unité de temps, puisque c'est seconde moins 1. Donc on prend le Hertz comme unité pour représenter cette seconde moins 1. Donc la formule qu'on avait vue, c'est la fréquence est égale à 1 divisé par t. Alors il y a un lien entre cette fréquence et la longueur d'onde. On va commencer par expliquer ce que c'est la longueur d'onde. Donc, Supposons un nageur qui se retrouve dans l'eau, ici, dans une piscine, et qui va générer des vagues. On voit les vagues ici. La longueur d'onde, c'est une distance, donc en mètres, c'est la distance entre les deux vagues ici. Donc on, va, on va mesurer, donc c'est en mètres, la distance entre ces vagues. Alors attention, c'est différent de la période. La période, c'est aussi ceci, sauf que ce n'est pas une mesure, c'est le temps qu'il faut pour arriver à avoir une vague complète. Donc, ici, on va prendre le temps, c'est le temps euh, en une seconde, on a une vague. Donc, ce qu'on va voir, c'est que plus la vitesse augmente, plus la longueur d'onde diminue. Donc, si notre nageur bat les bras plus vite, bah qu'est-ce qu'on observe C'est que, premièrement, il y a plus de vagues, il y a deux vagues, donc les vagues arrivent plus fréquemment. Donc, la fréquence va augmenter comme la vitesse. Par contre, on voit quoi On voit que la distance entre nos deux vagues a diminué. Donc, la longueur d'onde a bien diminué. C'est toujours en une seconde. Si notre nageur bat les bras encore plus vite, on a encore plus de vagues, donc la fréquence augmente comme la vitesse. Par contre, la distance entre les vagues est encore plus petite, donc la longueur d'onde a bien diminué. Donc toujours en prenant la même référence d'une seconde. Donc on voit bien qu'il y a un lien inversement proportionnel entre la longueur d'onde et notre vitesse. Donc on peut le voir aussi avec les oscillogrammes qui sont représentés ici, et on peut l'expliquer par une formule qui est la longueur d'onde lambda est égale à la vitesse divisée par la fréquence donc notre longueur d'onde qui est en mètres une distance notre vitesse qui est en mètres par seconde et notre fréquence qui est en fait en hertz et donc en fait en seconde moins 1 donc c'est aussi une unité de temps donc ce qu'on observe sur une seconde c'est premièrement que la fréquence va augmenter donc ici on a une deux trois périodes donc la fréquence est de 3 hertz Ici, dans le deuxième oscillogramme, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 périodes en une seconde, donc la fréquence est de 6 Hertz. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 périodes en une seconde, donc la fréquence est de 12 Hertz. Donc on a vu que la fréquence augmentait de plus en plus. Par contre, notre longueur d'onde, la distance entre les deux vagues ici, va diminuer. Donc on voit, ça devient de plus en plus petit. Donc on a bien une relation inversement proportionnelle entre les deux. Donc ça, ça va être très important lorsqu'on va euh, voir le spectre électromagnétique plus tard. Donc je répète encore, attention, même si la période et la longueur d'onde se notent de la même manière sur le graphe, la longueur d'onde est une mesure en mètres, alors que la période, ce sera du temps, c'est le temps pour effectuer une oscillation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la longueur d'onde lambda est la distance parcourue pendant une période t, donc qui est en secondes. La longueur d'onde est une distance et se mesure en mètres. Et surtout, le plus important, plus la longueur d'onde augmente, plus la fréquence diminue. Et vice versa. Donc, elle, les, ces deux valeurs sont donc inversement proportionnelles.